Shepard s'est très bien débrouillé. Mieux que nous n'aurions pu l'espérer. Le commandant Shepard a découvert la vérité. Et pourtant, c'est insuffisant. Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Mais il l'envoie combattre les Geths. Les Geths ! Les Geths ne sont pas la vraie menace. Les moissonneurs sont toujours là. Oui, et nous seuls pouvons les arrêter. Le Conseil n'acceptera jamais notre aide. Il se méfie trop de Cerberus. Après tout ce que les humains ont accompli, Shepard, en revanche, ils la suivront. C'est une icône, une véritable légende. Mais sans Shepard, si Shepard mourait, l'humanité serait perdue. Alors faites en sorte qu'elle ne meure pas. Désactivation des moteurs SLM. Dissipateur thermique actif. Témoin ouvert, on est en furtif. On perd notre temps. 4 jours à passer ce secteur au peigne fin sans trouver le moindre signe d'activité guette. 3 vaisseaux ont disparu ici le mois dernier. Quelque chose leur est arrivé. Je parie sur les esclavagistes. C'est pas ça qui manque dans les systèmes Terminus. Je capte un contact sur le scanner longue portée. Vaisseau non identifié. Un croiseur à première vue. Ça ne ressemble à aucune signature connue. Le croiseur change d'itinéraire. Il est passé en trajectoire d'interception. Impossible. Les systèmes furtifs sont activés. Un vaisseau Geth n'aurait jamais... Ce ne sont pas les Geths. Gaffe, manœuvre évasive! Joker est toujours dans le cockpit. Il ne quittera pas le vaisseau. Moi non plus, je ne pars pas.
rejoignez les navettes. Je vais chercher cette éclopée de Joker. Joker, vite! Il faut qu'on parte d'ici! Non, je n'abandonnerai pas le Normandie! Je peux encore le sauver! Le Normandie est foutu! Et nous avec, si on ne fout pas le camp d'ici! Non, il suffit que... Oh non... Il rempile pour une autre attaque! C'est juste une mission de routine. Pourquoi est-ce qu'on dit toujours ça avant une mission? Évidemment que c'est la routine. La mission n'a même pas encore commencé. Après, il faut faire des choix, prendre des décisions, agir dans l'urgence. Et là, c'est tout sauf de la routine. Je sais de quoi je parle. Pour moi, c'est comme ça que tout a commencé. Un appel de détresse, c'est la routine, pas vrai? Si j'avais su. À l'époque, nous testions le Normandie, le nouveau vaisseau du capitaine Anderson. C'est là que nous avons capté l'appel. Une patrouille de l'Alliance venait d'être attaquée sur Eden Prime.
Ils étaient incapables d'expliquer ce qu'ils avaient vu, mais en tout cas, c'était gigantesque. Sans hésiter, j'ai volé au secours de ces malheureux avec mon lieutenant, Kaidan Alenko. Un brave gars, loyal, réglo, et plutôt doué côté biotique. Une fois sur place, nous sommes tombés sur la seule survivante de la patrouille, le maître artilleur Ashley Williams. Je n'avais encore jamais rencontré une femme pareille. Dure au mal, disciplinée, courageuse, un vrai soldat dans l'âme. Ashley nous a guidés jusqu'à l'endroit où elle avait perdu le reste de sa patrouille. Et c'est là que nous avons vu le vaisseau pour la première fois. Il ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu jusque-là. Il était immense. En décollant, il n'a laissé dans son sillage qu'une terre brûlée. Nous avons remonté la piste jusqu'à un artefact, une balise construite par une race disparue, les Protéens. Les colons étaient tombés dessus en faisant des fouilles, et cette balise était manifestement l'objectif de ceux qui avaient attaqué Eden Prime. Le lieutenant Kaidan Alenko s'est approché de la balise, qui lui a balancé une sacrée décharge d'énergie. J'ai réussi à le pousser hors de danger, mais j'ai pris le rayon de plein fouet. Et c'est là que tout a changé. Une douleur intense dans tous les muscles de mon corps. Une vision, un rêve, un cauchemar. À mon réveil, nous étions en route pour la citadelle. J'allais y rencontrer le conseil et leur expliquer ce que j'avais vu. Le capitaine Anderson m'accompagnait, ainsi que l'ambassadeur Udina, notre représentant politique sur la citadelle. Avec l'aide de ces deux personnages influents, j'espérais convaincre le Conseil de la menace potentielle que représentait ce monstrueux vaisseau et la personne à l'origine de ces attaques. Le principal suspect pour le massacre d'Eden Prime était un spectre turien nommé Saren. Il avait été identifié par l'un des rares survivants et certains indices montraient qu'il était lié d'une manière ou d'une autre au vaisseau inconnu. Mais en dépit des accusations portées par Udina, le Conseil resta sourd à nos appels, incapable de croire qu'un spectre, un de leurs agents d'élite, ait pu commettre une horreur pareille. Ils avaient besoin d'une preuve. À moi de la leur fournir. Heureusement pour moi, j'allais rencontrer des alliés précieux. Garrus, un agent renommé du service de sécurité de la citadelle, et Turien lui-même, vint à ma rencontre pour me proposer son aide, au risque de s'attirer les foudres de ses supérieurs. Grâce à lui, mon enquête était enfin lancée. L'une des pistes de Garrus nous mena vers Vrex, un imposant chasseur de primes Krogan. Malgré ses airs de brute épaisse, Vrex possédait des informations sur une fugitive qui en savait un peu trop sur les activités de sa reine. Cette fugitive, une petite carienne énergique du nom de Tali, était en fait une experte en piratage qui avait découvert certaines informations sur sa reine et notamment des preuves de sa culpabilité. J'avais donc en main la preuve que Saren était responsable du massacre d'Eden Prime et que le vaisseau inconnu était en fait son vaisseau amiral. Mais il n'avait pas l'intention d'en rester là. Saren cherchait en fait un moyen de faire revenir les Moissonneurs, une race de machines intelligentes vivant aux confins de la galaxie. Il y a 50 000 ans, ces Moissonneurs auraient détruit toute forme de vie dans l'univers et notamment les Protéens. Voilà qui expliquait en partie mes visions et la raison pour laquelle Saren cherchait à retrouver la balise. Mais tout le reste était encore bien flou. Le Conseil refusa de croire à la menace des Moissonneurs, mais comprit que Saren devait être mis hors d'état de nuire. Il fut donc déchu de son statut de spectre. En récompense de mes efforts, j'eus l'honneur de devenir le premier spectre humain. Ma première mission, arrêter Saren. Anderson quitta le service actif et me fit don du Normandie, en me disant que j'en ferais meilleur usage que lui. Il m'indiqua également une piste à suivre. Liara. Experte de la race protéenne, adepte biotique et, plus important encore, fille de la matriarche Benezia, le bras droit de sa reine. Comme toutes les Asari, Liara était aussi belle qu'intelligente. Elle m'aida à mieux comprendre la vision provoquée par la balise, m'offrant ainsi des indices précieux et me faisant voir les Asari sous un nouveau jour. Sa technique pour examiner ma vision était en effet surprenante, mais loin d'être désagréable. Kaidan était préoccupé par mon nouveau lien avec Liara. En tant que commandant, je savais que toute relation personnelle pouvait faire échouer la mission. Je fis part de mes sentiments à Liara, qui m'apprit qu'elle ressentait aussi quelque chose pour moi. Mais la mission était prioritaire. Avant de penser à nous,
Il fallait retrouver Saren. Liara nous mena jusqu'à sa mère, que Saren avait postée sur Noveria, une planète gelée dirigée par de vastes consortiums opérant en toute illégalité. Saren avait réduit en esclavage la reine des Rachni, une dangereuse race insectoïde, afin que Benezia puisse extraire des informations de son esprit grâce à une technique identique à celle que Liara avait utilisée sur moi. Pour atteindre la reine, il fallut nous frayer un chemin au travers de centaines de soldats Rachni enragés. À notre arrivée, Saren était déjà parti, emportant avec lui les précieuses informations. Je tentais de raisonner Benezia, mais Saren, désormais capable de soumettre les autres à sa volonté, l'avait totalement endoctrinée. Elle refusa de se rendre, et Liara dut la regarder mourir dans ses bras. Restait encore à régler le problème de la reine Rachni, qui me jura que son peuple resterait pacifique si je la relâchais. Mais pouvais-je vraiment faire confiance à une race qui avait autrefois fait régner la terreur sur la galaxie? En fin de compte, je décidai de la libérer. Les Rachni ne seraient pas victimes des erreurs de leurs ancêtres. La reine honora sa promesse et quitta la planète avec son armée. Avec la mort de son bras droit, sa reine se retrouvait à court de temps et d'endroits pour se cacher. Je retrouvais sa trace sur Virmir, où il avait installé une base d'opération qui s'avéra bien vite être également une zone d'élevage. Sa reine mettait sur pied une armée de Krogan. Il avait trouvé un remède contre le génophage, un virus lâché sur les Krogan pour réduire leur croissance démographique et éviter qu'ils n'envahissent la galaxie. Mais sa reine n'agissait pas par altruisme. Ses soldats n'étaient rien de plus que des esclaves, des bêtes sans cervelle entièrement soumises à sa volonté. Le danger était trop grand. Je devais absolument détruire cette base et tout ce qu'elle contenait. Le problème, c'est que Vrex n'était pas d'accord. Pas d'accord du tout. Vrex voulait récupérer le remède contre le génophage. En dépit de tous mes efforts pour le convaincre, il refusait d'entendre raison. Heureusement, Vrex finit par comprendre que sa reine était la véritable menace et que ce remède n'était pas le meilleur moyen d'aider son peuple. C'est en arrivant au cœur de la base que je réalisais à quel point sa reine était proche du but. Depuis le début, il communiquait avec un moissonneur, Sovereign, le vaisseau que nous avions aperçu sur Eden Prime. Nous eûmes une conversation. Bien plus qu'un simple vaisseau, c'était un être intelligent, empli de haine pour toute forme de vie. Quel pouvait bien être l'intérêt de sa reine dans cette histoire? La réponse devrait attendre. Sovereign nous avait repérés et nous devions détruire la base au plus vite. Je divisais mon équipe en deux escouades pour faire diversion. Ash menait la première, tandis que Kaidan était dans l'autre. Nous avions une tête nucléaire et nous comptions bien nous en servir. Mais sa reine arriva avant que nous ayons pu activer la bombe et le combat s'engagea. Alors que je tentais de gagner du temps pour mon équipe, je compris enfin toute la vérité. Ce n'était pas Saren qui avait le pouvoir d'endoctriner tout le monde, mais Sovereign. Saren n'était en fait qu'un pion entre les mains de Sovereign, une marionnette totalement sous le contrôle du moissonneur. Il était persuadé d'agir de sa propre volonté, essayant de me convaincre qu'il avait trouvé un moyen de réduire l'influence du moissonneur. Mais ce n'était là qu'un mensonge de plus, murmuré à ses oreilles par Sovereign. Une nouvelle fois, il parvint à s'enfuir, ne me laissant que quelques secondes pour tirer d'affaire mes compagnons. Hélas, il était trop tard et je ne pouvais sauver que l'un d'entre eux. Kaidan était un homme bien et un bon soldat, mais je devais faire un choix. Et j'ai choisi Ashley. C'était la dernière fois que je laissais sa reine m'échapper. Lors de notre prochaine rencontre, l'un de nous deux devrait mourir. Notre destination suivante était Ilos, une planète abandonnée, autrefois habitée par les Protéens. Pour préparer cet affrontement désespéré, je fis un discours devant mon équipage. Avec un seul vaisseau face à toute une armée, le combat était inégal, mais je savais que nous pouvions en sortir vainqueurs. Liara n'était pas dupe. Elle savait que derrière mes belles paroles, j'étais en proie au doute. La mort de Kaidan m'avait secouée. Nous savions que cette mission serait peut-être la dernière. Il était désormais inutile de refouler nos sentiments. Pendant un court instant, je connus l'abandon total et la perfection. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Une fois sur Ilos, je découvris une base de données protéennes grâce à laquelle je pus enfin assembler les dernières pièces du puzzle et comprendre ma vision. Tous les 50 000 ans, les moissonneurs détruisaient toute forme de vie intelligente dans la galaxie. Comme tant d'autres avant eux, les Protéens avaient tenté de résister en vain.
Quelques-uns avaient néanmoins survécu assez longtemps pour nous laisser un cadeau d'adieu. Ils avaient en effet découvert que la citadelle était au cœur du système de contrôle des relais cosmodésiques. En la sabotant, ils avaient réussi à fermer les relais menant vers l'abîme, retardant ainsi le retour des moissonneurs, dans l'espoir que les races qui leur succéderaient seraient capables de trouver une solution pour mettre un terme à ce cycle de destruction. Saren savait tout cela. C'est pourquoi il lança son armée à l'assaut de la citadelle. S'il parvenait à réactiver les relais vers l'abîme, le retour des moissonneurs signifierait notre fin à tous. Retour au point de départ. La citadelle résistait encore, mais elle était gravement endommagée. La flotte du Conseil était puissante, mais elle avait été attaquée par surprise avant d'avoir pu se regrouper. Et face à une armée menée par Sovereign, il y avait peu de chances pour que la flotte puisse riposter avec suffisamment de puissance pour reprendre la citadelle. Mais cette fois-ci, Saren ne m'échapperait pas. Alors que les vaisseaux de l'Alliance et de la citadelle affrontaient la flotte de Saren, je retrouvais celui-ci dans la tour de la citadelle pour un ultime face-à-face. Ce pauvre fou mourut en pensant que les moissonneurs allaient le sauver. Malgré la mort de Saren, Sovereign et son armée poursuivaient le combat contre la citadelle et leurs attaques finirent par atteindre le Destiny Ascension, vaisseau amiral du Conseil. Le Conseil demandait de l'aide, mais je ne pouvais pas le sauver sans mettre en danger la flotte humaine de l'Alliance. Le Conseil était l'âme de la communauté galactique. Il devait être sauvé. Si le Conseil disparaissait, la confusion envahirait la flotte. Saren vaincu et la citadelle sous notre contrôle, le Normandie prit la tête de la flotte galactique qui se rassembla pour lutter contre Sovereign. Même s'il s'agissait d'un seul et unique moissonneur, il préleva un lourd tribut dans nos rangs avant de finalement succomber à nos attaques. Un lourd tribut. L'humanité, en récompense de ses efforts durant la guerre, avait gagné le droit de siéger au Conseil. Mais la victoire était amère. Les moissonneurs constituaient toujours une menace. Ils avaient perdu une bataille, mais la guerre était loin d'être terminée. Puisque j'avais mené le combat contre Saren, on me confia de nouvelles responsabilités. Le choix du premier conseiller humain de l'histoire m'incombait. D'un côté, l'ambassadeur Udina, politicien confirmé, impitoyable et ambitieux. Il n'aurait aucun mal à éviter les pièges que ses adversaires n'allaient pas manquer de lui tendre. De l'autre, le capitaine Anderson, soldat de carrière, droit comme la justice, mais avant tout un ami et un homme de confiance. Tous deux avaient les qualités requises. Anderson ne voulait pas du poste, ce qui constituait à mes yeux la meilleure raison de le lui donner. Au moins, il ne risquait pas d'être victime de son ambition. La guerre était terminée. La menace était écartée pour un temps. Le Conseil allait se reformer et la citadelle pouvait être réparée. Tout serait bientôt rentré dans l'ordre et même le souvenir des amis perdus finirait par s'estomper. Mais je savais que cette paix retrouvée n'était que temporaire. Les moissonneurs n'avaient pas dit leur dernier mot. Et s'ils étaient tous aussi puissants que Sovereign, il fallait à tout prix trouver un moyen de les arrêter. Je devais trouver un moyen. Alors j'ai rassemblé mon équipe et nous sommes partis en quête de réponses. Officiellement, ma mission consistait à éliminer les derniers éléments de l'armée de Saren. Une mission toute simple. Une mission de routine, en somme. Le commandant Shepard a été récupéré. Le projet Lazare va pouvoir suivre son cours.
stimuli extérieurs. Elle a conscience de son environnement. Nom de Dieu, Miranda, je crois qu'elle se réveille. Wilson, elle n'est pas encore prête. Donnez-lui le sédatif. Shepard, n'essayez pas de bouger. Vous êtes en sécurité. Restez tranquille. Son rythme cardiaque accélère toujours. Le G est frénétique. Les stats sont dans le rouge. Ça ne fonctionne pas. Encore une dose. Vite. Rythme cardiaque en baisse. Les stats reviennent à la normale. Il s'en est fallu peu. On a failli la perdre. Je vous avais dit que vos estimations étaient erronées. Refaites les calculs. Il n'y a pas de cartouche thermique dans ce pistolet. C'est une infirmerie. On va vous trouver une cartouche dans... Merde ! Ces conteneurs près de la porte vont exploser. Mettez-vous à couvert, vite ! Attention à l'explosion, mettez-vous à l'abri, Shepard ! Quelqu'un est en train de pirater la sécurité pour vous tuer. Cherchez une cartouche thermique pour votre pistolet. C'est quoi ce projet au juste? Sur qui d'autre ont porté les expériences? Sur personne. Vous êtes la seule raison du projet Lazare. Ça fait 2 ans qu'il travaille sur vous. 2 ans, vous imaginez? Vous avez eu droit au meilleur de la technologie. Pourquoi est-ce qu'on nous attaque? Et surtout, qui nous attaque? Alors ça, c'est une bonne question. J'allais piquer un somme et... bam! Et après ça, ces saloperies de... Quelqu'un nous a trahis, c'est sûr. Impossible de pirater les mécas sans code d'accès prioritaire. La dernière chose dont je me souviens, c'est l'explosion oui, du Normandie. Presque tout le monde, à part quelques soldats. Et le navigateur Presley est mort, lui aussi. Tous les autres ont survécu, y compris le personnel hors alliance comme la Sariliara ou la Carienne. Et qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ça, commandant, j'en ai aucune idée. En 2 ans, il peut s'en passer des choses. On formait une équipe. S'ils savaient que je suis encore en vie, ils viendraient me chercher. Vous pourrez peut-être les retrouver une fois qu'on aura quitté cette station. Enfin, en admettant qu'on y arrive. Vous faites quoi ici, au juste? Eh bien, techniquement, je suis le bras droit de Miranda. Mais à dire vrai, je suis un simple soldat, rien de plus. J'ai passé 5 ans dans l'Alliance. Et aujourd'hui, je suis le chef de la sécurité sur cette station. D'habitude, c'est plutôt calme. Depuis mon arrivée, c'est la première fois que je me sers de mon arme. Juste après mon réveil, j'ai parlé à la radio avec une certaine Miranda. On a été coupé juste avant que je vous rencontre. Miranda Lawson est l'officier responsable de cette station.
C'est elle qui dirigeait le projet Lazare, l'équipe chargée de vous ressusciter. J'aurais dû me douter qu'elle essaierait de vous sauver. Vous avez trop de valeur pour elle. Vous dites avoir perdu contact. Vous avez une idée de ce qui s'est passé ? Oui, j'ai entendu des coups de feu et une explosion, je crois. Miranda a de la ressource, mais j'espère qu'elle va bien. Quel est le chemin le plus rapide pour atteindre la navette ? Tout dépend de la position des mécas. Le mieux, c'est encore de... Ici Taylor, répondez. Répondez si vous m'entendez. Il y a quelqu'un sur cette fréquence ? Wilson ? Ici Jacob. Je suis avec le commandant Shepard. On vient d'abattre un groupe de mécas dans l'LD. Shepard est en vie. Mais comment ? Non, laisse tomber. Pour l'instant, l'essentiel, c'est de la tirer de là. En passant par les tunnels de service, vous devriez pouvoir atteindre la salle de contrôle du réseau. Compris, Wilson. Reste sur cette fréquence. Wilson... Je crois que j'ai un vague souvenir de lui. C'est le technicien médical en chef, l'assistant de Miranda. Allons-y, les tunnels de service sont par là. Ennemis neutralisés ! Ils nous ont vus. Merde, Wilson, c'est quoi ce bordel ? Cette pièce grouille de méca. C'est toute la station qui grouille de méca. Je fais ce que je peux. Wilson, trouvez-nous une autre voie. De préférence, une voie qui ne nous jette pas en plein dans la... Oh non, ils m'ont repéré. À l'aide. Wilson, Wilson, vous m'entendez ? Salle des serveurs B. Vite, ils sont incontrôlables. Montez, Shepard. Pas ici! La reconstruction physique du sujet est terminée, mais nous devons toujours évaluer ses fonctions mentales et neurologiques. Nos ordres étaient clairs. Reconstruire le commandant Shepard tel qu'elle était avant l'explosion. Même logique, même morale, même personnalité. Si nous modifions son identité d'une façon ou d'une autre, ou si elle n'est plus que l'ombre d'elle-même, le projet Lazare aura échoué. J'ai bien l'intention d'éviter ça. Ces salopards m'ont touché à la jambe! Vous étiez là quand j'ai repris connaissance pour la première fois. Oui, c'était bien moi. Ah! Si ça vous dérange pas, on en reparlera plus tard, ok? Il devrait y avoir du Medigel dans la salle des premiers secours. Espérons qu'il en reste assez pour le remettre sur pied. Allez me chercher du Medigel dans la salle des premiers soins! Merci, Shepard. Si on m'avait dit qu'un jour vous me sauveriez la vie, comme ça on est quitte. Je pensais que je pourrais désactiver les mécas, mais celui qui a piraté le système est un malin. Tout est bloqué. On ne vous a pas demandé ce que vous fabriquiez. Pourquoi vous avez accès même aux mécas de sécurité ? Vous étiez dans le département biologique. Mais je vous l'ai dit, je suis venu ici pour essayer de reprendre le contrôle de la situation. Et puis je me suis fait tirer dessus ! Comment vous expliquez ça ? Pour moi, vous êtes tous des inconnus. Attendons d'être en lieu sûr pour savoir qui a fait quoi. D'accord, Shepard. Il faut qu'on retrouve Miranda. On ne peut pas la laisser là. Miranda était dans l'LD au moment de l'attaque. C'est là que se trouvent tous les mécas. Elle est sûrement morte à l'heure qu'il est. Il faut plus qu'une bande de mécas pour arrêter Miranda. Non. Elle est en vie. Ah oui ? Et où est-elle alors ? Pourquoi n'a-t-elle pas essayé de nous contacter ? Pour moi, il n'y a que deux explications possibles. Soit elle est morte, soit c'est elle qui nous a trahis. Alors pourquoi est-ce qu'elle m'aurait réveillée juste avant l'attaque ? Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas elle, mais ça ne change rien. On doit d'abord penser à sauver notre peau ! La baie d'embarquement est juste... Eh merde ! On peut lancer une surcharge sur les conteneurs pour se frayer. Il y a un chemin jusqu'aux navettes ? Mais il ne s'arrête jamais ou quoi ? On se tire d'ici. Bon,
On les a abattus, mais ça commence à chauffer. Shepard, si je vous dis pour qui on bosse, vous me faites confiance ? C'est vraiment pas le moment, Jacob. On n'y arrivera jamais si elle s'attend à se faire poignarder dans le dos. Si tu veux te mettre le boss à dos, c'est ton problème, Jacob. Le projet Lazar, le programme qui vous a reconstruite, est fondé et contrôlé par Cerberus. C'est censé me dire quelque chose ? Vous ne devez pas être tout à fait rétabli. Vous avez eu des démêlés avec Cerberus, oui. Selon l'Alliance, nous sommes un groupuscule radical pro-humain. Vous avez nettoyé plusieurs de nos bases de recherche. Mais les temps changent. L'Alliance vous a déclaré morte, vous avez été abandonné. Cerberus a investi une fortune pour vous faire revenir. Écoutez, à votre place, je serais méfiant aussi. Mais pour le moment, il faut qu'on coopère. Je me suis dit que vous méritiez de savoir qui est qui, c'est tout. Quand on aura quitté la station, je vous emmènerai voir l'homme trouble. Il vous expliquera tout, c'est promis. L'homme trouble, c'est celui qui tire les ficelles ? Ouais, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Personne ne sait qui il est vraiment. C'était le nom de code que l'Alliance employait, et c'est resté. Peu importe ce qu'ils ont fait et ce que vous dites, je ne coopère pas avec les terroristes. Vous irez dire ça au boss, mais d'abord, il faut qu'on se tire d'ici. On est quasiment à la navette. On s'est fait repérer. Bien sûr. J'en tiens un. Mobile sur la cible. Impact. Mobile vers objectif. Zone sécurisée. Vite, avancez. On est presque arrivé au... Miranda. Mais vous... Morte ? Bordel, mais qu'est-ce que vous faites ? Mon travail. Wilson était un traître. Vous auriez dû le prendre vivant pour l'interroger. Trop risqué. J'ai investi trop de temps et d'efforts pour mettre votre vie en jeu. Vous pensez vraiment que Wilson en est capable ? Plus maintenant. Même si vous êtes sûr, est-ce qu'il méritait cet accueil ? Il a saboté les systèmes de sécurité, tué mes hommes, et il nous aurait tués aussi s'il avait pu. Vous en êtes sûr, Miranda ? Ça fait des années qu'on connaît Wilson. Et si vous vous êtes trompé ?
Je ne me trompe jamais. Je pensais que vous l'aviez compris depuis le temps, Jacob. Si vous le dites. Alors, quelle est la prochaine étape? On monte dans la navette et on s'en va. Mon chef veut vous parler. L'homme trouble, vous voulez dire? Je sais que vous travaillez pour Cerberus. Ah, Jacob. J'aurais dû me douter que votre conscience prendrait le pas sur votre loyauté. Ce n'est pas en mentant au commandant qu'on va l'inciter à nous aider. Bon, eh bien, quitte à jouer franc jeu, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on parte, commandant? Vous avez eu de la chance de vous pointer juste au moment où on partait. Qu'est-ce que vous foutiez pendant l'attaque? À part essayer de vous sauver la vie? Wilson a compris que je vous aidais, et il a envoyé une armée de mecha m'éliminer. Je suis arrivée là dès que j'ai pu, sans doute un peu trop tôt, de l'avis de Wilson. Et le reste des habitants de cette station? On est dans la zone d'évacuation. S'ils ne sont pas encore là, ils ne le seront jamais. On ne peut pas partir sans en être sûr. Il faut qu'on retourne voir. Vous ne comprenez pas. Il n'y a qu'une personne qui vaille la peine d'être sauvée, et c'est vous. Elle a raison. On connaissait tous les risques quand on s'est enrôlé. Sans vous, tout ça ne rime à rien. Où est-ce qu'on va? Dans une autre base de Cerberus. L'homme trouble vous y attend. Je ne suis pas sûre de vous faire confiance. C'est la seule navette en partance. Si vous tenez à moisir ici avec les mechas, faites donc. C'est vous qui supervisiez le projet Lazare, n'est-ce pas? En effet. J'ai consacré 2 ans de ma vie à ce projet. À vous. Qu'est-ce que Cerberus veut de moi? Vous n'aurez qu'à demander à l'homme trouble quand vous le verrez. Il a débloqué des ressources quasiment illimitées pour Lazare. Manifestement, il a des projets pour vous. Je ne veux plus voir cette station de ma vie. De vos vies, en l'occurrence. Allons-y. Avant que vous ne rencontriez l'homme trouble, nous devons poser quelques questions pour évaluer votre condition. Quoi? Encore des tests? Vous avez vu comment Shepard a détruit ses mechas, non? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? 2 ans se sont écoulés depuis l'attaque. L'homme trouble doit s'assurer que la mémoire et la personnalité de Shepard n'ont pas été altérées. Posez-lui les questions. Quoi? 2 ans? Si longtemps que ça? 2 ans et 12 jours, pour être exact. Et vous avez passé la plupart du temps sur une table d'opération. Parfait. Dans ce cas, ce ne sera pas très long. Commençons par votre histoire personnelle. D'accord, allons-y. D'après les archives, vous êtes né sur Terre, pas de parents. Vous avez grandi dans la rue. Ensuite, vous êtes entré dans l'armée et vous avez survécu à l'attaque des dévoreurs. Contrairement à votre équipe. Ça vous dit quelque chose? J'ai perdu beaucoup d'amis proches ce jour-là. Un truc comme ça, ça peut vous briser pour de bon. Ouais, j'ai lu le rapport. 50 marines se sont morts ce jour-là. Vous seul avez survécu. Alors Miranda, ça vous suffit? Presque. Je dois encore vérifier les souvenirs récents. Sur Virmir, lorsque vous avez détruit l'usine de clonage de Saren, un membre de votre équipe est mort dans l'explosion. Le lieutenant Kaidan Alenko est mort au combat. Pourquoi l'avez-vous abandonné? Vous croyez peut-être que c'était facile? J'ai dû faire un choix, et j'ai choisi de sacrifier une vie pour en sauver plusieurs millions. Kaidan n'est pas mort pour rien. Sans lui, on n'aurait jamais pu arrêter sa reine. Je ne vous juge pas, commandant. On sait tous que cette usine de clonage devait être détruite. Nous allons pouvoir passer au test sup. On n'a pas le temps, Miranda. La tête va bien, le physique va bien. Pas besoin de faire d'autres tests. Oui, vous avez raison. Espérons que l'homme trouble soit du même avis. L'homme trouble vous attend dans l'autre pièce. À votre place, je ne ferai pas attendre l'homme trouble.
Commandant Shepard. Monsieur l'homme trouble, je pensais qu'on se rencontrerait face à face. Pardonnez cette précaution, mais c'est nécessaire quand on sait ce que nous savons. C'est à vous que je dois la vie, d'accord. Mais je ne vous fais pas confiance pour autant. Il est temps de mettre de côté ses sentiments personnels. L'humanité fait face à la plus grande menace de sa brève existence. Les moissonneurs. Je constate avec plaisir que votre mémoire est intacte. Comment vous sentez-vous ? Vous allez devoir gagner le droit de me poser ce genre de questions. Cerberus n'est pas le monstre que vous pensez. Nous sommes du même bord, vous et moi. Nos méthodes divergent, voilà tout. Ne tournez pas autour du pot. Qu'est-ce que les moissonneurs ont fait pour vous pousser à me ramener parmi les vivants ? Nous sommes en guerre. Personne n'ose l'admettre, mais l'humanité est attaquée. Pendant votre sommeil, des colonies entières ont disparu. Des colonies humaines. Nous pensons que le responsable est un agent des moissonneurs. Un nouveau Saren, en quelque sorte. Vous en avez été témoin. Vous avez eu raison d'eux. Voilà pourquoi nous vous avons choisi. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Quel est votre but, au juste ? Nous avons à cœur les intérêts et la préservation de l'humanité. Si les moissonneurs cherchent à nous anéantir, nous en particulier, Cerberus les en empêchera. Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance se décident à agir, il ne restera plus de colonies à l'humanité. Sovereign tentait d'anéantir toute vie dans la galaxie. Qu'est-ce que les moissonneurs auraient à faire d'une poignée de colonies humaines ? Des centaines de milliers de colons ont disparu. Si vous voulez mon avis, le terme de moisson ne serait pas usurpé. Personne n'y prête attention parce qu'il n'y a pas de fil conducteur. Parce que les attaques portent sur des endroits isolés. Pourquoi ces attaques soudaines ? Pourquoi l'humanité ? Je ne sais pas. Mais vous avez peut-être attiré leur attention en tuant l'un des leurs. Ça ne ressemble pas à Cerberus de s'engager dans une guerre. Nous avons à cœur les intérêts. Si les moissonneurs cherchent à nous... Si nous attendons que les politiciens ou l'Alliance se décident à agir... Si l'humanité court un risque, c'est l'Alliance que vous devez mobiliser. L'Alliance a subi de lourdes pertes face à Sovereign. Elle est encore trop fragile pour consacrer des ressources à une menace non avérée. Il est tellement plus facile d'imputer ces enlèvements aux mercenaires, aux pirates. Tellement plus pratique. Si vous dites vrai, si les moissonneurs sont derrière tout ça, je serais disposé à vous aider. Je serais déçu si vous acceptiez quoi que ce soit sans constater d'abord par vous-même. J'ai préparé une navette qui vous emmènera sur Freedom's Progress, la dernière colonie victime d'enlèvement. Miranda et Jacob vont vous briefer. Miranda a tué Wilson de sang-froid. Jacob n'est qu'un porte-flingue. Vous vous attendez à ce que je leur fasse confiance ? Wilson était l'un de mes meilleurs agents, mais c'était un traître. Miranda a fait exactement ce que j'attendais d'elle. Et elle vous a sauvé la vie à plus d'un titre. Jacob est un soldat d'élite. Il n'a jamais eu totalement confiance en moi, mais il ne s'en est jamais caché. Ils vous donneront tout l'appui qu'il vous faut pour l'instant. Vous voulez que je me porte volontaire, ou vous me forcez à l'être ? Vous avez toujours le choix, Shepard. Si vous ne trouvez pas les preuves que nous cherchons tous deux, nos chemins pourront toujours se séparer. Mais d'abord, allez sur Freedom's Progress. Trouvez toutes les preuves que vous pourrez. Qui est à l'origine de ces enlèvements ? Est-ce qu'ils ont un lien avec les moissonneurs ? Je vous ai ramené à la vie. Le reste, c'est à vous de vous en charger. Vous impressionnez beaucoup, l'homme trouble. Je suis curieuse de savoir si vous vaudrez ce qui a été dit de vous. Je n'ai jamais eu l'occasion d'exprimer ma reconnaissance concernant le projet Lazare. J'espère que ça en valait la peine. Beaucoup de gens ont perdu la vie sur cette station. Nous devons coopérer, et ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. J'ai le plus grand respect pour vos compétences, Shepard. Ce sont vos motivations qui m'inquiètent. J'ai foi en ce que représente Cerberus.
Seul le temps nous dira si vous êtes un atout ou un danger pour notre cause. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur cette colonie où on doit aller ? Freedom's Progress, c'est une communauté humaine tout à fait normale, dans les systèmes Terminus. Ils étaient protégés par un petit contingent militaire, plus des mechas et des drones de sécurité. Une colonie sans aucune particularité notable, sauf bien sûr sa disparition. Vous avez une idée de ce qu'on risque de trouver ? Beaucoup de bâtiments vides et un mystère complet. J'aimerais que la responsable du projet Lazare m'en dise plus à ce sujet. C'était l'homme trouble responsable, pas moi. Si j'avais été aux commandes, les choses se seraient passées un peu différemment. Qu'est-ce que vous auriez changé ? Tout d'abord, je vous aurais implanté une puce de contrôle. L'homme trouble ne voulait pas en entendre parler. Il craignait que ça influe sur votre personnalité. Tout ce qui risquait de limiter votre potentiel d'une façon ou d'une autre était proscrit d'office. Le coup de la puce dans le crâne, je suis plutôt contente d'y avoir coupé. L'homme trouble court un risque énorme avec vous. J'espère que son coup de poker portera ses fruits. Parlez-moi un peu de vous. Vous avez un doute sur mes compétences ? Je peux broyer un méca avec mes pouvoirs biotiques ou le décapiter d'une balle à 100 mètres, comme vous préférez. Vous avez servi ensemble dans l'Alliance, Jacob et vous ? Non. L'homme trouble m'a rencontré très jeune. Il m'a recruté dès qu'il a décelé mon potentiel. Vous aviez quel âge ? L'âge de savoir que je voulais le suivre. Je cherchais à vous découvrir sur le plan humain. Je ne cherche pas à ce qu'on devienne amis, Shepard. Concentrez-vous sur la mission. Bon, vous n'avez pas envie de discuter, c'est clair. Nous avons une mission. Nous pouvons en parler, ou bien l'accomplir. On sera bientôt arrivé, Shepard. L'homme trouble nous a placés sous votre commandement. Quels sont vos ordres ? Qu'est-ce que vous avez trouvé sur les colonies ? Rien. Aucun signe de combat. Pas le moindre cadavre. Pas même une trace de matériel génétique inhabituel. C'est comme si les colons s'étaient volatilisés. Ça ne vous pose pas de problème d'être sous mes ordres ? On ne vous a pas ressuscité pour jouer les seconds rôles, commandant. C'est l'homme trouble qui décide. Moi, je me contente d'obéir. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on va trouver quelque chose d'intéressant sur cette planète ? Sur toutes les autres colonies, les enquêteurs officiels sont arrivés avant nous. Et dans certains cas, les pirates et les équipes de secours aussi. Cette fois-ci, avec un peu de chance, on sera les premiers. On pourra peut-être trouver des indices intéressants. Notre priorité est de retrouver les survivants. C'est peu probable, commandant. Sur les autres colonies, tous les colons avaient disparu. Plus la moindre trace de vie. Cela dit, ce serait bien de trouver quelqu'un pour changer. Tout, plutôt qu'une autre planète fantôme. PlayStation.